tout le monde, nous sommes The Carnites et aujourd'hui on se retrouve sur Side Order de Splatoon 3. Yes, et aujourd'hui nous allons grimper la tour avec un super... Blastoise, exactement. Blastoise. Lui fera pas pistolet à eau. Bah tu sais pas, tu serais étonné. Mince. Alors, est-ce que ça change du Luna Blaster, toi qui le joues si souvent? Ah, il est plus lent, ouais. Et il est plus lent que le vrai. Que l'original, parce que rien ne vaut toujours l'original, évidemment. Alors, dégâts de près. Bon, bah c'est pas mal, on va prendre ça. Hein. Bon, on joue calme. De toute façon, je joue pas déjà, j'ai mis une nuit avec moi. On est un trio aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien mangé. Mimi, t'as bien mangé, toi? Moi, j'ai pas mangé. Oui, c'est vrai. Ah bah bravo. Mimi, elle mange pas le soir. C'est vrai. Ouais, j'avoue, j'ai même pas regardé ce qu'on avait. On a des bunkerling et un sonar paf. Ah oui, c'est... Oui, ok. Pas famous, tout ça. Oh, mince. Ah non, c'est peut-être bon. Bon. Non, c'est pas bon. Oh, bah, il est parti. Bon, bah voilà. Parfait. Très très bien. Je ne joue pas, moi, tout ce que... c'est les premiers étages, tu sais. En tout cas, j'espère que vous nous entendez bien. J'avoue, bah normalement ça devrait aller, hein. on est plutôt pas mal, Alors, dégâts d'éclaboussage, portée principale, oh ça me paraît bien ça. On va transformer petit à petit en Rafa Blaster, qui a une longue portée. En vrai, je sais pas à quel point c'est vraiment une si bonne chose que ça d'augmenter la portée du truc, parce que... Ne saute pas. Oh putain, ça va être chaud ça. En vrai, je trouve que le blaster, plus il est loin, moins tu vises bien, en fait. Globalement, c'est un sentiment que j'ai l'impression de voir chez les gens, parce que quand je vois les gens de mon équipe tirer avec un éclat blaster sur les ennemis, je vois bien qu'ils tirent complètement à côté, donc... Donc voilà. Merci Lissana, bon rétablissement. Ah mince, oui. Regarde le petit sonar paf là. Je te cache pas que je pense que le sonar paf ça va pas être le meilleur des spéciaux par contre. Oui. Bonsoir Soren. Est-ce que tu fais des dégâts d'éclaboussure? Et j'avoue que c'est une bonne question en fait. C'est une bonne question. Eh oui. Bah, en plus c'est terrible parce qu'on peut même pas voir, j'ai pas vraiment regardé. Et... On l'a jamais pris, hein. Attends. Si, on l'a déjà pris. Par contre, celui d'au-dessus, on l'a jamais pris. Les blasters, c'est bon. Ah, c'est bon alors. Mais en tout cas, oui, le dispersion diminué, on ne l'a jamais pris. Ouais, et on le prendra jamais. D'ailleurs. Mais en vérité, je vois pas l'intérêt de truc anti-claboussure, je sais pas quoi, là, que t'as dit, là. Non, je sais, moi c'est juste pour la complétion des puces. Oui. Mais en vérité, voilà, je ne sais pas quel est l'intérêt de cette arme, en fait. Enfin, de cette arme, de ce bonus, finalement, parce que... Bah, le but, quand même, là, en PvE, c'est de... Bah, c'est de toucher un maximum de mobs. Pourquoi ils sont déjà... ils ont déjà des dégâts, eux, ouais. Bah, il y a la petite fontaine avec la toupie, peut-être. Bah, ouais, mais non, ils étaient loin, quand même. Salut, il a ma mouse. Ah oh non, par contre le sonar paf, tu vois, il y a un autre truc terrible, c'est que rien le casse. Oui. La tour passe dessus, vrai, il est cassé. Un gros boulet jette un canon dessus, il est cassé. C'est vraiment le dégât d'encre. Augmente les dégâts. Ah, l'encre. Attends, c'est quoi rayon d'éclaboussage? Parce que c'est écrit, ça augmente le rayon de dégâts, j'imagine. D'ancrage et de dégâts. Vas-y, on va le prendre, c'est bien. On va faire un... Là, on va vraiment jouer... En fait, on va faire un bon feu d'artifice, tu vois. Un super blaster, là. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien en ce magnifique mercredi, jour des enfants. Est-ce que numéro 8 est un enfant? Probablement que non. Non, je pense pas. Puisqu'elle peut participer à... Salmon Run.
J'avoue, en vérité. Et oui. Je me demande à quel point il y a effectivement que les adultes. Bah c'est un travail, donc a priori. Oui, oui, oui. Mais surtout qu'en plus... Ah, il a gagné, le gars. Bien joué. Oh, dommage. Salut, Clémopomme. En plus, il y avait confirmation que Agent 4 avait le même âge que Agent 3, mais que sachant que Agent 3 devait probablement être... Bah, sachant qu'Agent 4... Agent 3, pardon, maintenant, exerce un... Un métier encore... Bon. Voilà. Je vais peut-être le déplacer à la main. Ah bah non, pas besoin. Bien. Ah non ! Mais non ! Mais ça fait une explosion ce truc ! Mais qu'est-ce que c'est nul ! Bon, ok. Et elle est passée où la boule ? Elle okay, est là-haut. Très très bien. Bon. Non mais on apprend petit à petit de nos erreurs. À mon avis, c'est pour ça que c'est aimanté les boules. Parce que... Oh non. Tu le touches pas. Hein. Ouf ! Mais je sais pas. Attends, mais il a décollé le gars, genre. Oui. Okay. Et il est passé à travers la grille. Très très bien. Salut Vermiano ! Oh, pas mal ça. Dégâts de loin. Ah, j'ai des doigts frettes. Ah ouais, les fameux. On dit ça à chaque fois qu'on les voit, mais c'est pas grave, c'est très très important de le répéter. On le répétera jamais assez. C'est très très bon les... Ok, donc moi, soit je fais... Mais en fait, le combat, non, en fait, c'est ça? Ah, tu voulais te battre avec un blaster? Mais on a vu, vous avez augmenté les dégâts, alors bien sûr que non, je vous allais pas jouer. Oula. J'avoue que c'est pas très très gentil là, j'ai que... Ah oui, en plus, j'ai que des trucs pour buffer, et le jeu il me fait... Ah non, tiens, prends turbine, prends... Non mais tu vois, je cherche du combat là où il y en a pas, tu vois, quand même, je vais au contact, tu vois, je vais au contact. Dégâts de principal de près ou dégâts explosion? Attends, voilà. Là t'as 30% versus 15%. Bah en vrai c'est mieux ça. Hein. Bah oui. Non mais tu vas voir que ça va être notre meilleur run mais on va jamais se battre dedans. Après il y aura que des étages distributeurs. Non mais tu vois j'avais confiance en le... En fait, j'avoue qu'on a même pas regardé c'était quoi les puces favorisées. J'avais confiance en le blaster, je savais que ça allait être une arme bien. Oh, ils vont détruire ton sonar pas. Le... Oh, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. Ah, vous êtes sur la palette de qui? Alors c'est la palette de Typique, je crois. Ouais, c'est ça. Oh là, bien joué. Ah, il s'est bien fait avoir là. La palette de Typique, le gars qui vend des... qui vend rien, mais... Qui nous permet de gérer les fragments de nos vêtements. Il crée des trous dans les vêtements. Il a une petite paire de ciseaux et hop oh, Attends, mais non. Attends, quoi, t'as vu un truc? Le rayon d'éclaboussage aussi, après, hein, si tu veux être encore plus fort. Mais l'encre empoisonnée, ouais, c'est l'encre empoisonnée, tu as le petit buff de 200%. Oui, mais... Oui, c'est vrai. Mais j'allais dire, tu peins pas avec ton machin. C'est pas grave. Ça me fait plaisir, c'est rouge. Oui, c'est Knuckles. Toi, t'es plutôt en faveur des puces rouges. En vrai, de vrai, maintenant que j'ai appris ce que faisait Kalamata, que finalement... La mobilité, c'est bien aussi. Le bleu, c'est mieux, en fait. Bleu, c'est mieux. Non, là, j'avoue que... Non, au début, je me disais, ouais, non, mais y a rien qui bat le rouge, en fait. Mais finalement, on a découvert la vérité. Genre, non, mais regarde-moi ça, mais c'est trop bien. Non, mais voilà, le meilleur run, il est là. On fera jamais mieux, on ne fera jamais mieux. Je sais pas, il faut jamais dire ça. Non, on ne fera jamais mieux, moi je le dis. Je sais pas ce qu'on a... Mais 17 secondes, t'as vu le nouveau record. Incroyable. Dégâts de principal de loin. Ah, vitesse de tir principale. Dernier qui est vitesse sympa, de tir principale. Je vais prendre lui, tu vois, je vais prendre lui. Mais oui. Je vais prendre lui, là, parce que... Ah, on est chaud, là. Non mais j'aime bien. Genre franchement là, je pense que de tous les runs qu'on a fait, je pense que c'est celui qui démarre le mieux. Hein. C'est le plus hypant. Et il vous reste combien de palettes? Bah alors techniquement on sait pas. Donc Ah par contre c'est ça... le pire en fait niveau pour le blaster. Donc techniquement là c'est ça devient du domaine du spoil. Mais en théorie on se dit entre 4 et 5 palettes. Ah mince, en fait c'était l'autre côté. Il y en a encore un.
Et ouais, il reste probablement 4 ou 5 palettes, effectivement. Et ceux qui savent, savent et ne doivent pas le dire. Ouf. Quick. Oh, ça a vu qu'il a été perdu quand même. Ah, je n'avais point vu celui-ci. Oh, visiblement, il y en avait un autre. Ok, c'est... En plus, tu vois... Ah oui. D'accord. Un chaton qui pleure. T'allais dire un truc, cela dit. Oui, j'allais dire, t'as vu, en plus, on a eu encre empoisonnée dans ce stage. C'est très très utile, comme tu peux le constater. Bah oui, il vole. Ou il ne bouge pas. Mm. Oh, il m'a eu. J'ai deux questions complètement hors sujet. Vous comptez faire Pikmin 1 et 2 et vous avez mangé? Alors oui, on a mangé. Vous avez mangé. Et ça nous arrive des fois. On peut vous rassurer. C'est vrai. Et Pikmin 1 et 2, bah on le fera sûrement un jour, oui. Maintenant, quand, on ne sait pas. Mais c'est pas grave puisque ce n'est pas la question. En vrai, défense de zone pour de vrai. Il y a marqué quoi à manger quoi. Ah, j'avoue. En fait, sur moi sur le chat, ça s'arrête à manger et le quoi, il est retourné à la ligne, je l'ai pas vu. Et vous avez mangé. Et vous avez mangé, oui. Bah, du coup, on a mangé. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah non 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 mais c'est bon, je prends Kalamata. Vas-y vas-y vas-y. Je prends Kalamata. Sinon, on va manger des nouilles avec du poulet, de la crème fraîche, des champignons et du fromage. Bah, qu'est-ce qui t'arrive toi? Une nuit qui pleure mais sans faire de bruit, donc vous l'entendez pas. Et peut-être l'eau non plus. Non, bah j'ai pas entendu. Enfin, je l'entendais en bas, mais je l'entends pas quand elle est à côté de nous. Tu vois, le... c'est oui, bizarre. Non, mais minuit qui pleure sans faire de bruit. Non, mais ça. Non, mais ce pouvoir, mais incroyable. Mais oui, incroyable. Oui. Mais c'est le meilleur pouvoir. Mais c'est le meilleur pouvoir. Trop fan de la Kalamata. Ah, non, mais c'est bon, Kalamata. En vrai, il devrait mettre ça dans le jeu de base. Mais oui! Mais oui! Moi aussi je veux Kalam Attack dans le jeu. Kalam Attack c'est génial sauf quand je fais du Salmon Run et que je pense que je peux faire cette attaque et je meurs bêtement sur les saumons. Mais non, en fait oui, il faut le rajouter dans le Salmon Run au moins. Mais en vrai il y a trop de trucs! Il y a trop de trucs dans les modes solo de Splatoon qui seraient vraiment bien à ajouter dans les. Ah regarde, tu voulais du combat, voilà du combat. On veut du one shot. Attends. Tant quand même là on va. Bien bon. Évidemment s'il y a Kalam Attack dans le jeu, pas qu'elle fasse autant de dégâts. Si elle one shot, moi je veux. T'imagines tu bats des gens juste parce qu'ils sont à côté de toi et que t'as fait une Kalam Attack. Ça devient super dangereux de s'approcher de quelqu'un. Et donc du coup, tu veux affronter des snipers qui font des Kalam Attack sur toi en one shot? Non ils ont pas le droit. Évidemment. En vrai, de vrai, je dirais que Kalam Attack, ça irait bien sur les armes qu'on portait, tu vois. Ah, c'est triche. Oh, il t'a cassé ton armure. Voilà. Oh. Oh, c'est bon. Ah ben, non. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'encre. C'est trop drôle. Oh, mais il est mort, lui. Ah. Non, mais... Non mais c'est sûr que ouais, pour un point de vue équilibrage, effectivement, non mais de toute façon, équilibrage des armes à longue portée, ah, c'est à ton tour de jouer malheureusement. C'est pas grave, je joue avec minuit. Une petite sauce forestière, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a mangé en fait, une sauce forestière finalement. Non, c'est pas ça. Tu le quittais maintenant déjà? En fait, à chaque fois, je me dis qu'on peut changer ici, mais on peut pas changer ici. Mais non, tu peux pas changer ici. Bon, bah, moi, c'est fini. Hein. J'ai plus le droit de m'amuser. Ah oui, donc du coup, c'était puissance et portée qu'on était censé avoir. Mais t'inquiète, c'est pour avoir coin distributeur et changer le spécial. Pour oui, bah, j'allais dire, je vais aller au coin distributeur, du coup. Salut, Jusrox.
Non, on avait dit que c'était le run où on se bat pas. Oui, c'est vrai, du coup. Ah, crabe. Après... pas fou, hein, j'avoue que là... C'est chaud, le crabe, parce que... Non. Il a ses lags de ouais, multi. Ouais, non, mais... Il est pas... C'est pas le vanilla. Tu vois, le vanilla, encore, je me serais dit... Oh. Est-ce que je le prends pour la forme? Ouais, si tu veux. C'est pour dire que j'ai quand même eu une puce. Tu vois. Ah oui, ah si, on peut là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Minuit? Il lui arrive que... Elle est contente. Non, je rigole, elle est pas contente. Ouais, bah elle est en pleine réflexion. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Fais pas mine choc, t'inquiète. Elle va faire dégâts protection de... On continue. C'est le run, je monte les dégâts. Le run pacifiste, du coup, exactement. C'est pacifiste, mais si on nous attaque, par contre, ça fait mal, ok? Ne plane pas avec le drone. Ok. Ah, tout ça pour 100 points. Hein. c'est même pas... C'est quoi, là? Ah oui, c'est celui-là. Voilà, hop, run pacifiste, encore une fois. Oui. Du combat, connais pas. Hein, quoi? Je vais essayer de viser à côté. Okay. Okay, les gars, ils meurent tout seuls là-bas, là, dans leur coin, à mais cause oui de l'encre empoisonnée. Voilà, c'est incroyable. Non, mais l'encre empoisonnée. C'est pour ça que c'est. Oui, c'est trop bien l'encre empoisonnée. Oh, c'est joli, joli départ. Salut Oka, bienvenue. Oh, bon, ok, celui qui était tout en haut, il est redescendu et il vole la place de ceux en bas. Non mais avec le blaster, les boules, c'est un peu embêtant de mourir. Non, ça. Bon, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est où est passée ma boule. Ok, elle est là. Non, plane pas. Ah mais t'as vu, des fois, numéro 8, plane parce qu'elle a envie, tu mais vois. Oui, mais bizarre. En vérité, tu vois, je trouve qu'il a trop de portée, notre blaster. Ouais. Pas fan de la portée. Mais oui, c'est ça, tu vois. C'est pour ça, tu vois. Je trouve vraiment qu'un blaster avec une longue portée. Ben voilà. Oh, t'aurais jamais dû faire ça. Ah non, ça va. Tout va bien. Bah, sur le coup, je me suis dit que les ondes magnétiques allaient déplacer. Ouais, Minuit s'est couché sur mon téléphone. Voilà. Elle va bannir quelques petites personnes là. Dégâts d'entrave, dégâts de principal de près. Alors là, ça monte de 15%, et là, ça monte de 15% aussi. Et là, c'est les dégâts lorsque tu attaques un ennemi... Ouais... Attends, les dégâts infligés lorsque tu attaques un ennemi ralenti par ton encre. Ah, donc ça veut dire que si c'est ancré, on fait... Un peu plus un mal. Un peu plus mal. Moi, j'ai envie de pousser le rouge au maximum, tu vois. On n'a pas assez de rouge. Trop bien, le rouge. De ressembler à Knuckles, c'est tout. Merci Oka, c'est super sympa. Non plus, on n'aime pas le spoil. Que pensez-vous du DLC en général? Bah, franchement, on s'amuse bien. Hein. J'avoue que j'ai quelques petites remarques à faire sur le jeu, mais peut-être que ça va changer. Oui, on verra quand on aura... Du coup, voilà, c'est pour ça. Là, pour l'instant, j'ai une... Mais j'en parlerai le moment voulu. Normalement, ça devrait arriver aujourd'hui, donc... Ouais, là, aujourd'hui, on va vraiment passer la soirée sur Side Order. Donc, voilà, mais... Globalement, mon avis est assez positif. Mais il y a un point que je me dis... Mais, voilà, ça sert à rien. Peut-être que... Et peut-être que tout sera changé le moment venu aussi. C'est pour ça que je préfère ne pas me prononcer et ne pas... Mais globalement, ouais, c'est très très cool. Bah après, comme je dis, de toute façon, c'est tellement bien que... Il y a des choses que tu regrettes de ne pas les avoir dans le jeu de base. Bah je vois qu'il y a des gens qui disent déjà le drone, ça leur manque... Mais là, nous, on est fan de la Kalamata. Mais ouais, mais en fait, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que le jeu de Splatoon, il manque globalement beaucoup de mobilité. Dégâts d'entrave, si tu le voulais. Ouais, je pense que ça va être le moment. Oh non, pas lui.
Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. Mais ouais, ouais, franchement, la mobilité que ça apporte, c'est vraiment très très plaisant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais vraiment très très bon DLC. C'est très agréable à jouer, en tout cas. Et pour les gens qui ont peur parce que ça a l'air dur, bah ne vous inquiétez pas. Ça n'est pas tant que ça. Ça va, franchement. Surtout qu'en plus, vous fiez pas... Je m'attendais vraiment à pire, en fait. Ouais, bah moi aussi. Mais vous fiez même pas aux premières vidéos qu'on a faites, parce que on voulait... En fait, on était dans une optique de ça allait être dur, donc on allait farmer, donc... Et finalement... Mais en fait, y avait pas besoin du tout, en fait. Oui. Du coup, voilà, les premiers streams, on est super prudents et tout, parce que, en fait, on s'attendait vraiment à pire, en fait. Oh mince. Oh non. Quoique bon, en fait je dis ça, mais d'un côté, en fait, c'est un point sur lequel je pense que ça va pas trop changer. Mais... Et en vérité, bah en fait le truc c'est que en fait justement c'est pas difficile en fait. En fait je trouve que le jeu est peut-être un petit peu trop généreux justement. Genre notamment, en fait je pense que le principal problème que j'ai, et d'ailleurs en fait. Justement, au départ, en fait, je pensais que c'était ça allait fonctionner comme ça aussi. C'est le fait que déjà, bah, en fait, on a du regen, en fait. Enfin, on regen nos points de vie. Oui, c'est enfin, vrai qu'on s'attendait... Alors qu'en général, dans ce genre de jeu, tu ne regen pas, en fait. Enfin, tu peux regen parce qu'il y a des petites potions par-ci, par-là, mais là, c'est pas le cas. Mais surtout, tu as des checkpoints tout le temps. Genre là, t'en as débloqué un de checkpoint. Donc là, si tu meurs, c'est pas grave, tu recommences là. Et du coup, en fait, bah, ça, c'est... Quand je me dis, ah, ça... peut-être un petit peu facile quand même sur ce point là. Je trouve l'Octo Expansion plus dur. Ouais, l'Octo Expansion était beaucoup plus difficile. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait plus simple ce DLC aussi. Salut Fleur Rêveuse et salut Bernard Bianca aussi. Alors, rayon d'éclaboussage. Si t'en veux encore un. Bah, je pense, hein. Parce que là, c'est. Ah non, c'était des gains d'entrave que tu viens de récupérer. Allez, let's go. Splatoon 2 est moins maniable aussi. Bon, je trouve pas que Splatoon 2 soit moins maniable que. Oh, mais j'avoue que c'est Bernard et Bianca, mais c'est trop stylé. On a mais Bernard oui. Et Bianca sur le chat eux-mêmes. C'est des détectives. Un peu. C'est pas vraiment des détectives. Ah, c'est pas eux les détectives. Bernard et Bianca détectives ou. Non. Ah, c'est Basile, détective. Il mais a oui. Rien à voir, rien Bernard à voir. Et Bianca, eux, ils travaillent pour une espèce de FBI des souris. Le FBI des souris. Ah bah ça va. J'ai jamais regardé, en vérité. Pour ça, je ne connais pas. Je suis pur et innocent. Mais c'est tout aussi cool. Hein. Ah, probablement, ouais. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que ça avait l'air sympathique. Hein. Il est où le machin? J'ai jamais eu l'occasion de voir parce que finalement. C'est l'ONU des souris. Ah, l'ONU! Ah, carrément! Enfin, l'ONU, on dit ça. L'ONU. C'est écrit ONU! La CIA des souris, tu l'as dit. Parlez. Hey, tu te souviens du petit jeu que j'avais codé à l'école? Il y a que toi qui a réussi à le finir. Ah ouais? Le jeu de rythme qui tournait à 900 battements par minute au bas mot, je m'en souviens. J'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. Eh ben figure-toi que j'ai pondu une suite encore plus hardcore. Tu plaisantes, mais pourquoi t'as fait ça? Je t'ai dit et répété qu'il fallait rendre le timing plus permissif et réduire le nombre de notes. Ah ben merci, Eight. Merci. Oui, mais j'ai eu peur que ce soit trop facile. Et puis Perle l'a terminé avec une main dans la poche, alors bon... Et ton truc, fallait appuyer sur un bouton quand on entendait un son. C'était censé être dur, ça? J'aurais tout entendu. L'ouais-tu? Alors, dégâts d'entrave, combo chance par ancrage, dégâts sonores. Bon bah pour l'instant, les dégâts sonores, on va peut-être s'en passer. Et ouais, c'était dans la partie précédente qu'on en avait besoin, mais... Bah je pense que ça va rester sur les dégâts d'entrave, hein. Sauf si on s'amuse à monter notre combo chance. T'as une préférence? Ouais, non, vas-y, va sur les dégâts d'entrave. Aujourd'hui, c'est dégâts! Boum, boum, dégâts! C'est facile, mais c'est un jeu tout public, donc mon petit frère de 5 ans doit galérer, mais vu que nous, on a de l'expérience, c'est plus simple. Oui, c'est sûr oui, que bien faut sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais en fait, moi, je parle juste d'un point de vue... Ah bah, c'est à nouveau ce niveau. Moi, je parlais juste d'un point de vue... En fait, je m'attendais, honnêtement, très très honnêtement, en fait, que ça devienne de plus en plus difficile, surtout.
Genre, en fait, que. Oui. Le premier run, il 60, c'est pas un problème, ça. Mais en fait, je m'attendais à ce que, genre, bah, en fait, en gros, on a fait notre premier run et pinceau brosse, ça allait être le run le plus facile, et progressivement, ça allait devenir de plus en plus dur, en fait. Oui, genre, en fait. Genre, les mobs seraient de plus en plus forts, ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Même, on s'attendait à ce que, par exemple, ils nous disaient, si vous faites pas un niveau de danger, attention. Mais oui, mais en plus, ils le disent. Après, ça va être encore pire, alors faites les dangers en priorité pour pas se retrouver bloqué au bout d'un moment. Et du coup, nous, on s'attendait à ce que, par exemple, il y ait 3 niveaux de danger si on faisait pas les niveaux de danger. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, non, bien sûr que c'est pas du tout un reproche que le jeu soit simple de base. C'est juste, ça me surprend le fait que justement ça ne soit pas devenu plus difficile. C'est pour ça que je me dis, bon, je me réserve le fait de peut-être le dire pour la partie finale, peut-être que la dernière partie sera extrêmement difficile, et peut-être qu'en fait ça va justement cumuler tous ces trucs classiques de ce genre de jeu. Où enfin. On n'aura pas de point de vie qui remonte, on n'aura pas de checkpoint, et compagnie. Enfin, ne nous dites rien, voilà, on verra bien. Ne nous dites rien, on verra le moment voulu. Dégâts. J'ai pas vu ce que t'as pris. Mais non, mais il y avait plein de trucs bien, mais j'ai pris le rouge. Faut savoir pacifiste ou dégâts. Mais on fait un run pacifiste, mais avec des dégâts. On fait un run pacifiste, mais on est niveau 100. Je sais pas, je découvre en même temps que vous. Ah oui, mais je sais. Attention, tu vas te faire tirer dessus. Là. Moi, jusqu'au dernier moment. Ultra instinct, tout ça, tu connais? Ouais. Bah écoute, t'es dans l'ambiance blanche, tout ça. Hein. Votre palette ressemble de plus en plus à un coucher soleil de dégâts. Et en plus, on a la calamanage. Calme attaque, en fait. Pff, il est mort dans mon encre. Non, mais en plus, c'est trop bien qu'on ait eu. Ah, mais oui, en plus, tu peux faire la calme attaque sur la tour aussi. Oh, t'as même fait le nouveau record, mais incroyable. En fait, il va avoir tous les records celui-là. Dégâts. Non, mais pour de vrai, je me demande à quel point pourrait y avoir des speedruns de ça, du coup. Il y en a déjà, ah, ça va quand même. Ils inventent des catégories rigolotes en plus. Et ah, c'est pour ça que. Bah ça fait plaisir, non, parce que et, franchement. Et du coup, c'est pour ça que je, entre guillemets, sais des trucs, parce que j'ai vu un peu les catégories de speedrun. Ah, mais ça fait plaisir, parce que Splatoon, depuis le 1, il n'y avait pas trop de speedrun, justement, je trouve. Mm-hmm. Donc, du coup. Non, finalement, c'est ce jeu-là a su redorer un peu l'envie. Mais c'est cool. Bon, en vrai, ouais, c'est fun, hein, vraiment, c'est sympa. Non, parce que. Ouais, non, je vais pas le dire pourquoi. J'espère qu'il y a une catégorie brûler un bâton mojo. J'ai envie de dire un truc, mais je sais pas si je le dis maintenant ou si j'attends la fin des dernières palettes, en fait. Ah, je ne sais pas, comme je ne sais pas de quoi tu veux parler, puisque je n'ai pas oui. vu, je peux pas te... J'en parlerai à la fin, alors. T'aiguiller là-dessus. Celui des speedruns, c'est tellement impressionnant à regarder. Ah, bah, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympa. Ça va tellement vite. On est déjà bientôt à l'étage 20. On va faire notre record avec celui-là, en fait. Ça va être le record des records, en fait. Ah. J'enlève mon téléphone. Mais elle a le droit de jouer aussi au téléphone. Ah là, ça l'a surpris. Alors, tu veux double dégâts d'entrave ou dégâts? Ouais, vas-y, dégâts. Je pense que dégâts d'entrave, c'est bien. Mais... Ça arrive pas fréquemment, je pense. One shot du machin. Non, je rigole. 3 quand même. Ouais, 3, mais bon, ça va vite, hein. Ouais, c'est... Et attends, mais j'ai l'impression qu'en fait, nos capsules, elles améliorent les dégâts de... Mais 8 secondes, hein, mais... Mais oui, mais je crois plus qu'elles gros améliorent... que c'était plus gros que d'habitude. Oui. Donc du coup, je crois que le rayon de déclaboussure, je sais pas quoi, en fait, ça a augmenté ça aussi, en fait, genre... Oui.
Parce que ça a touché l'autre. Ouais, ouais, non, mais là, très très bien, très très bien. Très très bien, très très bien. On est bon, on est bon, on est bon, on est chaud. Je pensais pas que ça allait être le blaster qui... Qui serait le plus qui serait à, le plaisant. Plus à même. Wow. Ah, par contre, ouais, je sais pas à quel point ça va être une killer, si je puis dire. Je pense pas, regarde. En vrai, je sais pas lequel est le pire de boss. C'est sûr qu'on a eu le meilleur boss, déjà, ça c'est sûr. Pour aller vite, j'entends. Parce que les robots, c'est le mieux, je pense. Sachant qu'on n'a pas de secondaire. Hein. Oui. Pas de secondaire. On n'a pas de secondaire et on n'a pas de spécial, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un spécial pour recharger. Hein. C'est pas... Tu fais pas des dégâts avec ça. C'est moi ou on fait plus mal parce qu'il est plus loin? Bah, on a peut-être récupéré des capsules anti-dégâts de loin aussi. Anti, oui. Anti-dégâts de loin, ouais. Anti-dégâts de loin! Il est là. Oh ouais, on fait vraiment plus mal de près. Hein. Sachant qu'on a même pas de perles, du coup, elle ne sert à rien, perle. Ouais, elle fait décoration, là. Ah, il en reste un. Et ouais, bien joué, voilà. Très très bien. Non, mais pas mal, hein. Franchement, je pense que ouais, c'est le meilleur truc, hein, je pense, pour aller vite. Parce que la boule, vraiment, elle a trop de HP. Et en plus, comme elle rebondit dans tous les sens, et ben voilà, gros corps. Sachant que j'aurais pu être encore plus opti. Ah, t'aurais pu être plus opti si on avait un spécial aussi, ouais. Bah, même si j'attaquais pas ceux qui étaient en haut, et que je me concentrais sur le bas. Si on se faisait un petit distributeur, ça faisait longtemps. Bah, j'avoue, la boule qui rebondit avec le sniper, c'était ok. Dégâts! Bon, je crois qu'il va y rien avoir. Ouais, je sauf si je le prends vraiment, mais bon. Non, ça sert à rien. Oui, mais imagine, à un moment donné, on n'a pas le choix et on a que au perceur de perles. Ah, vas-y, prends-le si tu veux, mais bon. Ça va le run pour l'instant? Bah, franchement, oui, oui, ça c'est le meilleur run qu'on ait jamais fait. Hein. On est bien, on est bien. Mais non, c'est pour continuer d'avoir des puces rouges. On veut une belle palette toute rouge. Mince, faut appuyer sur A. Dégâts de loin ou dégâts de près? Alors, tu préfères dégâts de loin? Je préfère les dégâts de près. Mince, c'était à toi de jouer en fait. Oui. Oh, moi j'étais parti, hein. Oh, je suis désolée, j'ai fait ton étage distributeur. Ah, quel dommage, hein. Franchement. je m'en remettrai jamais, je pense. Mais peut-être tu voulais pas y aller? Ah, c'est un niveau de danger. Il y a 30 étages. Vous avez déjà eu le sniper? Ouais. Ouais, on l'a déjà fait. Vous avez dit que ça allait être fun, tout ça, et... Et voilà. Oh, ça fait vraiment... Oh, c'est super dangereux, hein. Comment ça, c'est dangereux? Comment ça, c'est dangereux? Dangereux de quoi? C'est dangereux pour les ennemis, oui. T'as perdu... T'as perdu ton armure, quand même, hein. T'étais en danger. Danger, c'est moi le danger. On ne sait pas encore, Kaelia, on verra bien. Attends. Je lisais. Ah oui, non, c'est le fameux Vade Retro Rapido, mais il améliore pas le... Ouais, je pense que je vais prendre ça, parce que bon, bah... Oui, c'est pas mal, ça. Puis voilà, comme ça, on aime bien faire les... En plus, un niveau de turbine qu'on n'a pas fait encore. C'est qui entre vous deux qui joue Giro? C'est moi qui joue Giro. Et Dami, il joue sans Giro. Sans Giro. Non, peut-être pas, j'aurai Giro le jour, on pourra jouer... Avec contre... quand le Giro voudra bien faire haut et bas. On pourra jouer souris, j'allais dire. Mais oui, bon, bah, c'est sûr que si on pouvait s'y jouer normalement, ça serait sympa. Et sinon, oui, on a débloqué les Klatana, mais on n'a pas encore fait de partie avec. On n'aura même pas eu un seul truc de perle du coup dans le run. C'est pas encore fini, tu sais pas. Comme je te dis, imagine à un moment donné t'as pas de choix et... Oh, il y a un truc. Vraiment, si tu vois pas bien en fait. Ouais. Ah, c'était fini en fait. Okay. Tous les deux choqués, quoi, c'est quoi, fini. C'est déjà terminé. Salut Thigo. C'est même pas le record, tu vois. Sans Giro.
Des gyros, ça. Oh là là. Ah. Tiens, ouais. Tu vois. Ouais, non. Attends, c'est quoi transpercement principal? Ah oui, c'est le fameux truc, mais bon, je comprends jamais. Il y a rien d'intéressant là, ça y c'est bon. Bah, cherche en fait... de jauge du drone, oui, qui ne peut pas attaquer, c'est très très bien. Le fameux. Bah, attends. Je vais prendre ça. Hein, je... C'est quoi déjà en haut, transpercement principal? L'arme principale transperce les ennemis avec des dégâts décroissants. Équipe plus de puces, transperce plus d'ennemis. Donc en gros, ça veut dire qu'avec tes dégâts d'explosion, tu exploses derrière? Bah, ça explose déjà derrière. Bah ouais. Du coup, je joue à pas trop. Bah, prends le. Oui, le butin. Le boîte de conserve. Bon, ça, ça fait des recharges d'encre gratuites parce qu'on n'a jamais échangé de spécial. Parce que le spécial ne sert à rien. Mais non, il faut pas dire ça. Mais si, il sert de recharge. N'utilise pas ton arme principale. Non, mais vous pouvez aussi ne pas me dire de pas jouer, je le ferai pas, hein, donc je m'en fiche. Oh, lui, il demande plus de... Bah, il est plus gros, là. Oh, il est où, le autre? Là, là, devant toi, à gauche. Ah, ouais. Franchement, t'as pas perdu tant de points. Hein. Ne termine pas le niveau. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Fais deux au bon curling. Alors, ah, des dégâts. Des claboussures. Ah, ça c'est bien ça. Oui. Et ben, on en a pas mal du danger là dans ce run là par contre. Bah, peut-être qu'on les a évités beaucoup. Finalement, c'est réel. Mais finalement, le danger comme c'est nous, on le voit même pas. Oui. Zone ultra périlleuse, attention. Sans lumière plus ancrage intégral. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas grand-chose, malheureusement. Finalement, en fait, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire par il y a plus de danger. Il y a deux niveaux de danger. Ouais. Bon, ça va, il y a plein de lumière quand même. Cool. Attention, il y avait un peigneur. Oh non. Ouf. Tu fais tellement de dégâts. Je suis le danger, on rappelle. Attendez, attendez, attendez. Okay. Ah, tu pouvais rebondir. Bon, tant pis. Oui, non, mais rebondir, très peu. Quoi? Non, jamais. Non, je rebondis. Oh, les vilains, ils ont peint ta zone. Où est-ce qu'il va, lui? Bah, il va peindre votre zone. Bah, je croyais qu'il restait sur la zone. Non, non, non. Par contre, t'as pas repeint ouais, ta zone. Ouais, bah oui, bon, par contre, oui, c'est le défaut, tu vois. Cette arme ne peut pas faire, de défense de zone. Pourquoi votre avis sur les blasters de manière générale? Et moi, les blasters, c'est une arme qu'à chaque fois je me dis que j'aimerais trop jouer parce que, comme c'est des feux d'artifice et que j'aime bien, bah voilà. Mais finalement, bah, je sais pas pourquoi je le fais jamais. Bah, moi, personnellement, j'aime beaucoup les blasters. Enfin, j'aime beaucoup le Luna Blaster, je joue que les autres j'aime pas en fait, mais... Aïe! Ah, c'est bon, ça. Ah, ça. Ah, tu vois, lui, il a pas bougé, tu vois. Il est resté sur cette zone. En fait, il dirait que pourquoi je me suis toujours pas mis au blaster, parce qu'il n'y a pas de blaster que je trouve joli, en fait. Oh, ça va, j'aime bien le Luna Blaster. Méga, là. Enfin, pas méga, là. Le numéro 2. En plus, il a des bombes sympathiques. Ah, ça va, je prends tout. Oh, bah, il y en a des cadeaux. Ah mince, t'as plus de zone. Ah oui, lui, il est trop fort, il arrive à me voir dans la nuit. Bravo! Faudra pas oublier de faire une pause à un moment donné. C'est vrai. Une pause avec un O, bien sûr. Je propose que je bascule tout de suite sur l'écran de pause et on est bon. On est bon. Et D8, les gens m'ont voulu quand j'ai quitté le monde des Octaling. Je dirais pas ça, non. Disons qu'ils étaient choqués. Une soldate d'élite qui disparaît du jour au lendemain. Ha! C'est tout, Coralie, ça. Quand elle a une idée en tête, c'est même pas la peine d'essayer de la faire changer d'avis. Je me suis rendu compte sur le moment. Désolée de m'être volatilisée comme ça.
Inutile de t'excuser. J'ai réussi à m'en remettre, plus ou moins. Si quelqu'un ose pas mal parler de Coralie, ça va chauffer pour son matricule. Et c'est valable aussi pour ses super potes de l'époque. Merci, Perle, ça me va droit au cœur. Attends, quoi? Augmente l'attaque des projectiles. Ah, bon, bah, j'imagine que... Ouais, bah, je vais prendre ça, parce que bon, le reste, c'est pas fou. J'aurais bien voulu un petit opérateur de perles pour finir, alors, comme ça... Vous êtes en run, grosse explosion? Exactement. C'est pour ça qu'on fait des niveaux super passionnants, comme jeter des boules. Oh, t'inquiète, tu sais, ce niveau-là, c'est tu envoies une boule et les poissons font le reste. Non, celui-ci, il faut quand même que je le fasse. Il est en haut, là. Voilà. L'autre, effectivement, je savais qu'ils allaient le mettre tout seul. Voilà, bravo. Ah, ils sont... Fallait poser. Ils sont... Ah ouais, ils sont trop sympas, ils sont trop sympas, ils sont trop sympas, tu vois. Vraiment. Tu peux leur faire confiance. Ah, les dégâts sonores, mais... Oui, mais avant... Mais il faudrait qu'on ait un truc, quand même. Après, sinon, bah, soit récup d'encre, c'est le plus pratique, et Turbo Calamar, c'est rigolo. Ouais, je vais prendre récup d'encre. J'ai appris que les musiques de Splatoon ont été faites par de vrais chanteurs et il y a juste un filtre. Oui, c'est ça. Pour que les personnages parlent en faisant... Oh, cette zone-là. Ah, oh, j'aime pas. Non, en fait, c'est pas la pire. Le son des monstres aussi? Bah, probablement, ils utilisent le même filtre partout, je pense. Mmh. Mais moi j'aime bien les trucs comme ça parce que du coup ça permet de faire un doublage qui est pour toutes les versions le même finalement. C'est pratique. Oui. Le yaourt, la langue universelle. Mais oui, exactement. Eh bien, il y en a du monde. Ah, oh, ils ont gagné. Ils ont des gigafontaines aussi. Mais c'est clair. Non, mais vraiment, ça, c'est les pires ennemis. Il faudrait qu'on ait une fontaine comme ça dans le vrai jeu. Regardez-les, ils vont... Oh, ils ont pas gagné. Oh, bien joué. Oh, ils ont pas gagné. Et c'est le nouveau record. Ouh. Insérer bruit de... Mêlée qui tient un nouveau record. New record! Ah, bah, je crois que là, ça va être coin distributeur. Allez, peut-être qu'il y aura un spécial, qui sait? Un bon petit marteau. Un bon petit comme marteau. Comme ton blaster préféré. Mais ben oui, un petit marteau. Mais j'avoue, en plus. Je suis obligé d'avoir le marteau, là. Bombe soda, marteau. Hop. Bombe soda. Bombe soda. Bombe soda. Bon, allez, vas-y. Rayon d'éclaboussage. Oh, mais est-ce que tu peux en prendre plusieurs pour voir au moins deux? Non, j'achète la bombe soda, c'est, oui, c'est pour, vrai. Pour le plaisir. Est-ce que tu veux en acheter encore pour... Allez, ah, comme ça, on l'a fini. Voilà. Bravo. Et comme ça, à la fin, faudra bien regarder s'il donne, il rembourse ou s'il... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas ce que tu faisais. Danse. Je vois. Alors, dégâts en bas. Ouais. Si on veut un petit côté un peu plus explosif... Comme tu veux, c'est toi qui joues. Ah non, c'est un niveau autour. N'empêche, avec toutes les variantes de gameplay qu'on peut faire grâce au système de puces de ce DLC, un RPG Splatoon ne serait pas une mauvaise idée, non? Un arbre de compétences qui fonctionnerait comme les puces. Ah bah, Splatoon RPG, me dit que ça peut être rigolo. Ah, oh, mais il y a un truc au bout du... Au bout du blaster. Ouais, hein. C'est un petit hologramme, c'est ça? Ah, je prends une petite pause. Ah, merci, c'est gentil. C'est apprécié. Avec mon scooter de Vegeta, là. Alors, qu'est-ce qu'indique la puissance de ce mob? Mais tu vois, le scooter, il est pas tout de suite. Donc c'est le niveau 2 de l'armure. Et là, j'ai pas encore l'armure. Ah ouais, non. Mais what? Mais j'ai rien fait! Je fais rien, le truc, il explose. Boum!
Quelle seconde? Ou quelle finale? Vous avez demandé du jeu, non? Des gars éclaboussures. Mais ça influe sur les vortex, ouais, on dirait. Ouais. Hein. C'est vrai que ce que dit Minus, que mon désoctaling, il a beaucoup changé, une petite poigne d'années. Il n'est guère étonnant que les développeurs du poulpe hiver aient un peu de mal à s'adapter. Ouais, ça se comprend. Quand la vie change tout d'un coup, on est toujours un peu paumé. Mais si ça change en mieux, où est le problème? Y en a pas! Rien du tout! Zéro souci! Et toi, 8, t'en penses quoi? Rien, ah bah, je vous répondrai pas, merci. Moi, du moment que je peux me battre, ça va. Se dit 8. Tant que je peux faire la bagarre, ouais, je suis là. Il est l'heure d'exploser Minusque. Le Némésis, qui n'est plus un Némésis maintenant, mais... un truc... un takoyaki. Un saucisson 7. Mais pourquoi vous revenez tout le temps? C'est pénible à la fin! T'as la langue bien pendue pour un mouflet qui va se prendre une raclée? Mais pas peur! Raclera bien qui raclera le dernier! J'ai un montant de raclée et je me battrai chaque fois que vous reviendrez! Je réaliserai le rêve universel! Alors, saucisson 7, là. Trouble 7. Saucisson 7, ordrissime. Ouais, très bien. Par contre, il a que 7 tentacules ou comment ça se passe? Ah, il n'est que 7, c'est pour ça. Non mais la bombe est énorme! T'as tout peint, hein. T'as des trucs derrière toi pour le... Mais what? Mais non, mais t'as vu ça? Oui, je vois ça. Tu as vu ça? Le machin, il va se faire exploser. Je ne me lasserai jamais de cette voix que tu fais. Merci, parce que je trouve que c'est très rigolo à faire aussi. Regarde, le machin, il fait une réaction en chaîne. Mais oui, c'est très très bien. Ah, lui, il était trop loin, toi. Mais c'est indécent. Mais c'est indécent. C'est le meilleur run. T'es sûr de pas vouloir essayer le Proxy Blaster? Mais j'en ai un Proxy Blaster, je crois, dans mon inventaire. J'ai déjà fait. Attends, il est pas mort, là? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si, il est mort, mais le gars, il triche! Mais... Et le coup? Mais je t'ai donné un coup, tu respectes, le gars, genre! Mais je comprends pas pourquoi tu t'es jeté dans ses tentacules, surtout! Bah, parce que je pensais que comme je lui avais donné un coup, bah, ça a annulé son attaque! Bah, les tentacules sont là et ne partent pas. C'est normal, normalement! Eh ben non! Elles sont sorties, elles restent! Oh, il fuit vite là, ça y est. Oh oui! Le prochain est le dernier. T'as à gauche, à gauche. Toujours caché le dernier. À droite, à droite. Ah non, c'est pas là. Ok. Non, parce qu'il fait une ligne, alors il te dit où il est. Ah voilà, c'était là-bas en fait. Le machin, il était déjà mort. Bah oui. Attention parce qu'il a plus de vie quand il est à sa dernière phase. Ouais, mais plus je suis proche. Oh, purée. Je vais perdre. Plus tu meurs. Ouais, mais plus je suis proche, plus je lui fais de dégâts, tu vois. On aura moins de points parce qu'on a moins de vie. Oui, bah désolé, mais bon, aussi, il avait qu'à mourir aussi. Merci, Captain Necto. Et la bombe splash, elle fait des explosions nucléaires? Probablement. Ouais, bah oui, regardez. Merci pour les cheers, Bay, et merci pour l'abonnement d'Ivarel. Ah, merci. Tu les entends mais... Les lasers? Non, pas les lasers, les notifications. Oui, mais elles sont pas très fortes. Ok, ok. Je suis en train de voir. Je sais pas si c'est moi qui entends rien ou quoi, mais... Quick! T'as quick, vu, je fais 5200 quick, parce que je suis en close range. C'est vrai, hein. C'est énorme! J'ai pas entendu les notifications. C'est énorme! Mais elles sont vraiment très faibles, mais elles font du bruit. Mais c'est vrai que faudrait régler ça un jour quand même. Bah, c'est le genre du jeu qui est trop fort, surtout. Tu sais ce qui est plus bizarre? C'est qu'à te regarder, on a l'impression que même toi t'en as marre. Hein? Perle, qu'est-ce que tu racontes? Ben regarde-le! Toujours à parler du rêve universel et de son objectif, ouais, pas ta couffin, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Bien sûr! C'est vraiment ça! Qui a dit le contraire? Ah ouais? Ben moi, je crois que c'est pas vrai. Mais si tu le dis, on va reconfigurer cette palette et prendre la tangente. Bravo!
La palette de Tipeee est sauvée! Alors, on va peut-être le mettre à la fin. Ouais, bah c'est les trois dernières. Enfin, les trois avant-dernières. Ok, non. Bah ça a pas l'air de rembourser. Non, ouais, ça, donc ça... du coup, ça vaut pas le coup d'en prendre deux. Ouais. Clairement, ouais, non, c'est pas intéressant. Enfin, on peut en prendre deux, mais pas une à mille. Après, on peut faire en sorte que ça coûte moins cher aussi, les magasins. Donc. Combien de fois on va devoir se coltiner tout ça? Tu veux pas faire une pause avant qu'on s'y remette? Mais Perle, on vient d'en faire une pause. Tiens, vas-y, une pause. Alors, on va d'abord aller lire les petits casiers. Péperle. Et Péperle. Non, journal de Coralie. Ah non, une bannière. Stylé. Et Péperle. Et non. Lis-le avec X. C'est quoi le plus dur? La voix de Todd de Dami ou la voix de l'eau de Mini Poulpe? Mais c'est moi qui fais Todd aussi. La voix de Todd. Non mais Todd c'est la pire. C'est la pire. Alors. Quoique Black Doom il est bien aussi, hein, vraiment. Ah c'est ça? Notre tournée mondiale a commencé, c'est pas de tout repos mais on s'éclate bien aussi. Faire partie des Tentacools c'est vraiment la classe. Bon bah voilà, c'était le journal de Coralie, très, très merci. Bien, merci. Ah bah non mais on aime bien. Quand c'est rapide comme ça tu vois, tac tac. Oui, le oui, blaster oui. C'était tac tac, y compris... Le journal de Coralie du Blaster. Très bien. Merci. J'ai vu un type qui faisait du business suspect avec un vieux bizarre plein de piquants sur la tête. Quoique maintenant, il a plutôt l'air de se demander s'il a fait le bon choix de carrière dans sa vie. Mais faut pas déprimer enfin. L'avenir appartient aux jeunes entrepreneurs. Alors, on met un peu d'ordre dans ses pensées. Et roulez jeunesse. Ah, Tipeee commence à ne pas apprécier son travail en tant que créateur de trous dans les vêtements. Ah bah, il en a marre de trouer, tu comprends. Dami fait Black Doom dans Sonic le film 3. Mais ouais, mais il faut pas le dire. Chut.